Salut, je vous retrouve pour un haul action. Alors habituellement, quand je fais des hauls d'action, j'achète pas énormément de choses, mais alors là, j'ai pas compris. Alors, si, je sais un petit peu pourquoi. Si vous avez vu mon haul la dernière fois, les articles que j'avais achetés, je les ai transformés avec vous pour vous montrer des idées avec des articles qui sont pas très chers, faire un élément un peu sympa design. Voilà. Et j'ai fait la même chose cette fois-ci. Dans tout ce que j'ai trouvé, il y a des articles que je vais transformer, mais la transformation se fera dans une autre vidéo parce que sinon ça allait me prendre beaucoup beaucoup trop de temps et il me manque quelques petits accessoires pour finaliser tout ça. Mon sac est énorme. Hop, je veux pas que ça tombe et c'est pas tout. Il y a plein d'autres choses derrière qui n'entrent pas dans le sac. Donc vraiment, c'est pour vous dire, j'ai fait fort. Ticket de caisse. Je commence. Premier article, celui-ci, il n'était pas dans le sac. Je l'ai trouvé en tout dernier d'ailleurs. Make-up light. Il s'agit en fait d'un éclairage que vous allez disposer dans votre salle de bain ou peu importe sur votre coiffeuse. C'est à base de ventouses et vous savez, c'est vraiment ces éclairages comme dans les loges et tout. Enfin, je vous montre, ça va être plus simple. Franchement, si c'est pas mal, j'en rachèterai pour faire vraiment cet effet un peu carré. Mais je me suis dit, prends-en déjà une, on va voir ce que ça donne. Voilà, on a les deux ventouses comme ceci, ces petites lampes. Bien évidemment, les piles ne sont pas fournies, mais j'ai pensé à en acheter là-bas aussi. Alors. Ah, oh. Par contre, attendez, regardez. J'ai juste fait ça comme ça pour. J'ai posé ça, c'est tombé et bah tu peux plus le décoller. Ça tient vraiment bien. J'ai les piles. 1,89€ et bah dedans il y en a 12. Lampe LED maquillage. 3,79€. Voilà. Et 4. Crash test en direct. Oh, ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est une lumière blanche. Je suis contente, j'ai hâte de l'essayer dans ma salle de bain. On continue avec ceci. Et j'ai perdu un petit bout, mais c'est pas grave. Hop, ça se clipse. On est sur une compo fausse, mais qui fait le job. Alors, pour les nouveaux, je ne peux pas à cause de Jackie qui. Plante verte en pot, 4,99€. Ça fait 45 cm. Elle est vraiment ravissante. Et pour ceci, parce que ça va faire partie d'une des transformations. Avec ce pot. Flower pot qui fait 16 cm sur 22 cm. On peut donc le laisser comme ça ou bien juste ce pot-ci. Le support métal pot de fleurs 3,49€, que vous vous rendiez compte. Évidemment, ça va se jouer sur ça à suivre. Vu qu'elles sont là, je vous les montre. Ceci, une jolie marguerite. C'est une marguerite, je crois. Gerbera, ah non, c'est un gerbera. Ça va également faire partie d'une petite transformation, cette tige également, donc elles sont vendues à l'unité. Il y en a vraiment des très sympas, il faut fouiller, hein. Il y a du cheap, il y a du moins cheap. Bambou sur tige, 1,99€. Et ma gerbera tige, 45 centimes. Je prends, hein, comme je fais d'habitude, ce qui me vient. Ceci, donc ça, je trouvais ça mignon, c'est un petit kit dans la partie loisirs créatifs. Créez vos propres cartes à secouer. Alors moi, ce qui m'a plu. Je ne ferai pas forcément mes propres cartes à secouer, mais il y a des petits éléments qui peuvent être très intéressants si toi derrière tu aimes faire des créations. Voilà, je découvre vraiment en même temps que vous ce kit. Dans ce kit, nous avons une pluie d'étoiles, un kit de strass, un kit d'étoiles, mais celles-ci elles sont noires. Voilà, les petites planches à stickers me plaisaient pas mal. Alors, ce n'est pas des stickers, c'est toi qui mets ta colle. Le petit renard m'a pas mal séduit, voilà. Nous avons tout ça. Et évidemment, on trouve des enveloppes craft. Alors, les cartes à faire soi-même, le kit, c'est 1,59€. Des feutres à l'eau. J'ai pris le dégradé de rose. On va dire dans les couleurs un peu plus roses, violettes. Il y avait tous les dégradés de vert, les dégradés de bleu, les dégradés... Enfin, bah, de toute façon, regardez. Je vous montre de plus près. Il y a toute cette collection. Je me suis dit, attends, t'en prends un, tu vois la qualité. Et... T'en reprends si jamais ils sont corrects. Pareil, ça va m'être très très utile pour pas mal de projets. Aqua feutre aquarelle, 3,99€ le kit. Ce sont trois décorations qu'on vient retirer. Donc je les ai prises pour les customiser. Ça ne restera pas en l'état. Ça aussi, ça fait partie d'une des créations. Donc voilà, ce sont vraiment des petites décos murales individuelles. Décoration murale, si ça part 3, 1,99€. On enchaîne avec... Ah, donc là, on va dans la partie beauté. Je suis tombée sur ce kit de Beauty Blender. Je ne les ai jamais testés chez Action. C'est vrai que moi, je les prends chez Sephora en général. Bon, déjà, ils sont hyper mignons. La forme
est très originale pour travailler des petits coins, des angles, des trucs de lumière, les arêtes du nez notamment. 1,99€ les 3 beauty. Alors, pourquoi t'as pris ça, Caro? Il s'agit d'une... Ah ouais, ça fonctionne. D'une cloche. Dessus, c'est le lion. Il y avait aussi des petits singes. Déjà, c'est très joli en objet déco, le côté en plus doré, mais aussi parce qu'Eric ne m'entend pas. C'est vrai que la maison est grande. Donc, je suis pas trop fort. À table, chérie, tu vois. Ça va bien nous énerver, Jack, ça aussi. 1,49€, la petite clochette. J'avais déjà la trousse de la même gamme. Regardez ça, c'est tout mignon. Donc, la protection et ce sont des feuilles blanches. Non, non, pardon. Ce sont des lignes. C'est adorable. Donc moi, j'ai choisi celui-là parce qu'il y en avait d'autres, il faut bien regarder. Les yeux étaient complètement décalés ou c'était pas droit. J'ai vraiment choisi le modèle qui était en meilleur état. Carnet de notes, peluche, 2,39€, c'est bon, j'ai trouvé. Très, très utile. Il y en a un kit de 3 sockets grises, 35, 38, je fais du 37. 1,69€, les 3 paires. C'est cool, hein, franchement. On continue, alors là, j'ai testé hier soir. Oh, ce sont des peanuts, donc chocolat, cacahuètes enrobées de chocolat au lait. Au début, c'est particulier parce que tu as un léger, très très léger petit goût salé mélangé avec ce chocolat. C'est bon, mais il faut savoir s'arrêter, quoi. Parce que dans la télé, c'est même pas la peine. C'est très très bon, par contre. Franchement, l'association est plutôt réussie. Choco, cacahuètes, 1,69€ le paquet. J'ai pris également ce paquet. Ça me donnait envie. Des fèves au goût de soja. Ça aussi, en grignotant. C'est vegan. J'avais même pas fait gaffe. Source de protéines. Bon. Est-ce que c'est très très salé? Pas tant que ça. Mais celui-ci, je ne l'ai pas encore testé. Mélange de fèves. 99 centimes le mélange de fèves. Bloc notes. Le haut. Lala. To-do list. Nickel, alors ça c'est pas quelque chose qu'on vient, c'est pas aimanté, tu le poses sur ton bureau, mais vraiment, enfin, pour moi, j'en utilise énormément, genre tous les jours, donc ça va aller vite, et en plus, c'est un petit objet déco qui est quand même assez mignon. Banana, bloc tendance tout doux, 79 centimes. Voilà, ceci qui va également être customisé, je vous explique pourquoi, donc c'est une patère, celle-ci motif enfant, mais je vais pas l'utiliser, et je l'ai pris parce que la tête est cassée, vous voyez, au niveau de l'oreille. C'est cassé, donc je vais les enlever derrière. Je vais dévisser tout ça. Et je vais la transformer. Donc cette patère, d'ailleurs, ils ne m'ont même pas fait un prix. J'aurais dit, c'est pété. Ah oui, mais soit vous prenez, soit ça sera dans les objets pétés. Voilà. Bon, je prends. Porte-manteau enfant, 2,95€. Et j'ai pris ceci également, des petits boutons. J'en prends très très souvent. J'ai pris les 3 mêmes. Ça coûte, j'ai celui-là. Ça coûte 82 centimes chaque élément, comme ceci. Voilà. Ils sont donc ici. Je pense n'avoir rien oublié sur ce haul. Je vous avais dit, alors déjà, il y a de tout. Et il y a pas mal de choses, je trouve. J'adore, j'ai hâte de vous créer tout ça. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira, hein, parce que je veux prendre le temps de faire les choses bien pour la vidéo, comme je vous ai dit, transformation. Il y a vraiment des choses cool à chaque fois. Hein, et des prix quand même assez, assez raisonnables. Voilà, j'espère que ce haul action vous aura plu. Si c'est le cas, bah, dites-moi tout ça en commentaire. Je vous fais un énorme bisou et vous dis très certainement à demain pour un vlog. Salut!